Et salut tout le monde, c'est Marlini. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur God of War 4. On s'était arrêté la dernière fois après avoir roté un bon gros coup de sang là, mais vraiment, on avait roté un maximum de sang avec tout un tas d'ennemis, des moments que moi j'ai dû vous couper un maximum. Donc voilà, mais donc moi qui disais oui, bon bah l'épisode va durer environ 30, va en durer environ 40, 45 minutes. Bah en fait il a duré à peu près 30, 35 minutes. Alors que voilà, hein, j'avais dû faire presque deux enregistrements pour pouvoir continuer cet épisode, hein, évidemment. Là, je ne sais pas l'épisode combien de temps il durera, mais je pense que je vais faire un test dans le sens où je vais faire un enregistrement double, donc vous aurez deux épisodes en un, dans le sens où je vais faire ce que j'aurais dû faire en deux épisodes. Donc, je regarde juste l'heure, voilà. Donc, faut juste que je me mettre un minuteur à 50 minutes pour me dire il faut que j'enregistre le. Comment s'appelle? La vidéo pour pouvoir après relancer le compte à rebours des 1 heure. Donc voilà, donc c'est lancé, hein, évidemment. Comme ça me le fera, ça me le dira pour pas que vous loupiez beaucoup trop de choses. Voilà. Sur ce, les gars, hein, j'espère que cet épisode vous plaira tout autant qu'il vous plaît habituellement. Donc moi je suis très pressé de savoir la suite des événements. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que ça là? Ouais, il y a un petit coffre là qui a l'air assez sympathique. Mais alors comment faire pour l'avoir? Je ne sais pas. Ah, il y a un coffre comme ça là qui peut être intéressant. C'est le deuxième coffre comme ça que l'on trouve. Et donc on a bien vu la dernière fois qu'il fallait détruire. Les socles, ah voilà, là-bas il y en a un. Alors est-ce que je peux l'atteindre? Oui. 2 sur 3, mais alors où est-ce qu'il est le suivant? Alors je pense que là justement bah, l'énigme c'est fait pour ça. Des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient, j'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point c'est tout. Alors là, vraiment, je le vois pas. Je suis sûr que vous avez dû le voir et en mode, mais putain, mais il est là! C'est tout le temps comme ça dans les let's play. Je remarque souvent, même moi, hein, je le fais hein, quand c'est. Quand je le vois. Alors là, par contre, les gars, quand je vois le plafond là, c'est. Ça me paraît trop en mode, tu peux passer par là pour que ce soit fait comme ça. Enfin voilà quoi. Vraiment, je le vois pas. Hein. Je le vois vraiment pas. Ah, je dois être aveugle alors. Peut-être en bas. Alors attendez. Là, je pense que. Ah! Trouvé! Putain, oh, il était loin! Non. Alors attendez. Ah d'accord, mais il est loin. Putain, sérieusement? Non. Trop. Touché. Voilà. Ah, hop là, on casse ça. Voilà. Bah en fait, non, vous pouviez pas le voir. Vous pouviez pas le voir. Donc c'était le premier, hein, je crois qu'il m'a vraiment fait chier. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, je crois que c'est quelque chose de bien. Ouais, c'est une pomme. Ouais, c'est pour augmenter ma santé. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est ce genre de truc-là. En plus, on l'avait aussi dans God of War 3 ou les autres, ou enfin les jeux qui y ressemblent. Donc c'est cool. Ce genre d'objet-là, j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux God of War. Alors attendez, comment on fait pour aller là-haut? Enfin, pour aller là-bas? Parce que là. Oh oh! Qu'est-ce que tu fais là toi? D'accord, donc lui, on peut pas le taper.
Je ne tapais que comme ça. Alors on va le taper que comme ça. Non merde, qu'est-ce que je fais moi? Non, alors attendez, je vois. Ça, ça a l'air de fonctionner, mais pas trop non plus. Hop là, je t'attends. Et là, hop là, je le bute. Voilà. Tac. Mieux peut me rendre toute ma vie, donc voilà, je vais en profiter. Hein. Je vais en profiter. Oh là, en plus, j'avais de quoi me remettre de la rage. Oh oh, encore toi. Putain. Oh non. Ok, j'ai compris, parce que là. Hop là. Hop, donc là le coup de la rage est très important. Boum. Il y en a 12e, putain. Ça se voit que je suis en mode difficile les gars, hein. Mais vraiment. Je prends tellement cher. Je prends tellement tarif. Putain, par contre, il y a elle qui me fait chier. Putain. Hop. Putain, il me fait mal. Allez, je peux l'avoir celui-là parce que comme il est niveau 1, vraiment c'est il est plus ou moins facile à avoir. Après il y a la sorcière aussi qui peut très vite se montrer très chiante. Hop là. Alors. Wow, mais faut... en fait, je veux d'abord m'occuper des ptios. Ah, lui il est niveau 2 par contre. Putain. Ça c'est un petit souci du jeu je trouve. Alors d'un certain côté c'est un souci, mais d'un autre côté c'est ça peut être un point fort. C'est que on peut pas verrouiller d'adversaire parce que la caméra, est ce qui fait que la caméra est pas vraiment exceptionnelle par moment. C'est vrai que je peux relancer ma hache, moi je suis bête. Et lui. Putain. Il m'envoie des sortes de serpents ou je sais pas quoi. J'aime pas ça. Putain, je prends tellement cher. Ah putain, ah ça marche pas à taper. C'est vrai qu'elle est très chiante, j'admets totalement. Plus de vie. Pas un endroit, si là. Hop. Hop là. Serre-toi tes flèches pour l'abattre. Non, il m'a eu. Dommage. Punaise, j'avais. Oh, elle avait plus de vie. J'avais plus de vie. C'était compliqué. Très compliqué. Hop, hop, hop. Putain. La flèche que je demande à ce moment-là. Ah, c'est trop dur. Attendez. Ça, d'accord. Ah, oui. Je vois, c'est un truc comme ça. Non.
Ah, d'accord. Donc, on va continuer, on va voir ce que... où nous mène le jeu. Puis, on verra. Hein. Là, il va y encore avoir des ennemis, ça c'est sûr. Regardez. Préparez les feux. Zygmunt, des couteaux. Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Et laisse-moi m'occuper d'eux. Ok. Non, va falloir les buter. Ah oh, putain, mais ils sont faibles en fait. Ah mais ils sont hyper faibles. Ils ont pas de vie. Oh. Atreus. Oh oh. Je m'en occupe. Tu t'en occupes, t'es sûr? Moi je suis pas sûr. D'accord. Oh, on va s'en occuper, comme il dit. On va récupérer de la vie surtout. Oh! Lui par contre. J'ai quand même stressé hein. Il m'a quand même fait peur ce bâtard. Voyons voir. C'est quoi ça? Oh, stylé. Très stylé. Il y en a forcément d'autres. Ah non. C'est terminé. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Quitter les ruines, bah ça. J'aimerais bien. Ici. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est pour le faire monter. D'accord. Je pense que... Bah oui, le moyen c'est ça. C'est la fameuse chaîne.
Ça va être ça le moyen. Atreus, la chaîne. La chaîne. Oulalalala, il est déprimé le Atreus. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin... Que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Ouais. Je suis pas tout à fait sûr, perso. Je peux pas passer là, non. Putain. Ça me saoule. Cela me saoule. Je savais très bien que c'était... irrattrapable. Donc ça veut dire que ouais, j'ai vraiment loupé... ce que je pense. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Ah, je sais où je suis au-dessus. Ah, mais on est de retour ici. Pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrée. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles ? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Tu avais raison. Tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non ? Elle a un nom ? Aucune idée. Cette bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi ? Brock. Terra Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais... cette hache que t'as là... Eh ben, c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère. Une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esquinter. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein ? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non ? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Oh, je vais pas dire non à améliorer ma hache, hein. Où est l'autre moitié de la marque ? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Je m'occupe de ça. Alors, amélioration d'armes. Bienvenue dans l'atelier des nains. Ici, vous pouvez améliorer les équipements que vous possédez déjà ou en fabriquer de nouveaux. Appuyez sur...
accéder au menu amélioration. Brock vous a donné une flamme de glace, c'est une ressource rare. Les ressources trouvées dans le monde vous permettent de fabriquer des équipements et de les améliorer. Sur quoi ? Pour la hache Léviathan. L'équipement de Kratos dispose de niveaux de puissance et de stats améliorés. La hache pour augmenter ses niveaux ainsi que la force afin d'accroître la, d'accroître la puissance globale de Kratos et ses stats. Oh, bah ça, ça m'intéresse. Bah enfin ! Le niveau de puissance et les stats de Kratos sont affichés ici sur... Appuyez sur L3 pour afficher les stats, les fractions de stats. D'accord. Donc vous pouvez augmenter les dégâts infligés par les attaques runiques en augmentant les runes. Vous pouvez réduire le temps de récupération des attaques runiques en augmentant la récupération. Chaque stat confère un avantage en combat. Appuyez sur L3 pour masquer les descriptions. Quand vous améliorez un objet, le niveau de puissance et les stats obtenus s'affichent sur la carte de l'objet et sont aussi reflétés sur le tableau de stats de Kratos. Améliorer une arme de façon permanente permet d'augmenter ses stats. Vous pouvez, vous devez vous équiper d'autres objets pour influencer les stats de Kratos. Les ressources nécessaires à l'amélioration d'un objet sont affichées en bas de sa carte. Maintenant qu'il y a pour améliorer la hache Léviathan. Ah, ça, ça fait plaisir. Amélioration réussie. Vous avez amélioré la hache Léviathan. Deux nouvelles compétences sont disponibles dans l'onglet compétences. Ça fait zizir. Alors, augmente et débloque l'achat de compétences pour Léviathan. Avec de l'XP. Ok. Là, je suis passé au niveau 2, trouver une autre flamme de glace pour poursuivre l'amélioration. D'accord. Donc vraiment, il va falloir trouver des objets pour améliorer... D'accord. Des flammes de glace pour améliorer la hache. Ok. En améliorant vos armes, vous déverrouillez de nouvelles compétences pour les acheter. Allez dans l'onglet compétences du menu pause, appuyez sur rond. Pour aller dans le menu de... dans le menu de progression où vous pourrez fabriquer tous nouveaux équipements. Hein, tu vois l'arc. Ah, bah, je peux améliorer l'arc de... Oui, j'ai amélioré son arc. Vous avez un arc de serre. De nouvelles compétences sont disponibles. Ok. Ça, ça fait plaisir. T'es au niveau fric, putain, j'en ai une tonne. Qu'est-ce que ce sera? Alors, protection du torse ou armure de Trius. Alors d'abord protection du torse. Tenue de pierre ou protège épaule. Alors armure renforcée en cuir. En cuir oui. Elle n'est pas très confortable mais augmente légèrement la force. Bah. Pourquoi ne pas la... Mais pourquoi pas? Pourquoi je vais dire non? Donc oui, je l'équipe, évidemment. Hein. Ah oui, moi je veux m'améliorer. Et ça, ouais, donc ça, tu vois, ça me fait perdre... Ça me fait perdre de l'attaque. Moi, l'attaque, c'est trop important en mode difficile. Améliorer, donc, voilà. Alors, protection du torse. Donc voilà, ça, je peux l'améliorer. Ouais, donc on va l'améliorer. Alors, l'ardine. L'ardine. Ok. Amélioration réussie pour protéger les poules. Ouais. Voilà. C'est le trophée que je viens d'obtenir, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Hop. Donc, armure de Trius. Au niveau armure de Trius, bah, je peux pas les améliorer. Parce que j'ai plus de sous premièrement et deuxièmement bah j'ai pas d'acier qu'il me faut. Ok. Voilà. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Y a de la place pour moi ? Ouais, tant que tu casses rien. Ah oui, je dis oui totalement. Ah, je dis oui.
ma manette a bientôt plus de batterie, les gars. Ok. Bon, bah, ça veut dire. Bon, bah, en fait, ça va pas être un double épisode, ça va être. Va falloir que je. Gère ça pour la prochaine fois. C'est passable. Hop. Voilà. Alors toi, j'aime pas quand tu veux esquiver. Hop là, donc on va te violer. Là je dis oui là par exemple les gars. Là je fais beaucoup plus de dégâts, ça fait plaisir. Hop là. Ça va? Ce chemin, il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, je l'avais même pas... Ah! On est là! D'accord. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Visage de la peur. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert. Bon, c'est pas grave. Bon, je pense que ça va être un collectable. Qui sert. Bon, ça sert. Je vais pas dire qu'il sert pas à grand chose, mais. Oh, mais je sais. Putain, mais je me suis cassé la tête pour rien en fait. C'était donc bien le. Le pont qui m'aidait. Et oui, parce que là j'ai la fameuse chaîne. Oh putain, mais oui. Battre seul. Oui. Les hommes, c'est une chose. Tout le reste, tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête ou qu'on soit mort, c'est compris? Fais un effort ou on rentre à la maison. J'ai compris. Bien. Hop. Et hop. Bon, ça, c'est pas très utile, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà comment on arrive ici, en fait. D'accord. On est revenu ici. Bah oui. Et oui, et oui, oui, oui. Et donc ça me fait plaisir, parce que là, putain, ça fait zizir. Vraiment, ça fait zizir. Bon, et bien les gars, moi je pense que je vais vous laisser là. Ou pas. Non, non. Je pense que là, pour moi, en fait, le tournage va être fini, mais je pense que je ferai... Enfin, non, le tournage sera pas fini, mais je vais juste changer de manette. Donc, étant donné que je vais changer de manette, ben, je vais faire l'enregistrement de... Je vais sauvegarder le comment ça s'appelle? Ouais, ça fait voir l'heure qu'il est. Peut-être pas en fait. C'est quand même... Ils commencent à se faire tard quand même, j'admets. Donc, ouais. Alors. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ton frère a la moitié de votre marque? Parce que je veux plus jamais travailler avec ce lèche-bot. J'allais pas le laisser l'utiliser tout seul, et lui non plus. Alors, la seule solution, c'était de couper la marque. 50-50, pile au milieu. Y'a plus que là-dessus qu'on était d'accord. Quoi? Tu veux que je t'embrasse? Fiche le camp! Pardon. Donc niveau amélioration, normalement, moi, j'ai rien de nouveau. Ah, à vendre, alors. Ah, j'ai des artefacts. D'accord. Je suis sûr que tu en sens la vie. Donc je peux vendre des objets, et donc maintenant je peux faire... Alors, pas des améliorations... Donc je peux... Ouais, mais ce sera plus l'armure d'Artanius en fait. Ah ouais, d'accord, il me manque juste la scie en fait, c'est ça le problème. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, donc bon, bah, j'ai pu vendre ce que je voulais. Et salut les amis. Enfin, pour vous n'aurez aucune séquelle, mais moi je viens de... Je commence l'enregistrement, enfin le deuxième enregistrement donc de cet épisode, de ce deuxième épisode en main. Voilà.
Donc vous aurez juste une petite coupure, enfin voilà, rien de bien intéressant. Donc on reprend là où je m'en étais arrêté. Donc voilà, là je viens d'aller donc dans le menu pause et je suis en train de regarder quelque chose. Vous êtes accueilli d'une pièce d'armure contenant un emplacement d'enchantement. Les enchantements peuvent uniquement être placés sur les pièces d'armure et les talismans dotés dans votre équipement. Ils confèrent des bonus de stade et des atouts uniques à votre équipement actuel. Certaines pièces d'armure peuvent posséder jusqu'à 3 emplacements d'enchantement sur carré pour sélectionner celui dont vous êtes équipé. Symbole de persévérance, ça m'augmente de 2 la défense. Sympa. Voilà. Et voilà, j'ai le petit trophée enchanté pour ceux qui ne le voyaient pas. Hop. Et pour si cela vous intéresse. Donc là, non, là j'ai rien, hein, évidemment. Emplacement. Oh, mais j'ai que ça de toute façon. Bye. Pourquoi est-ce qu'il me l'enlève pas? Ouais, bah non. C'est bon. Ah, bah tiens, les compétences. Ah, attendez. Voilà. Ah. Alors. Donc, les compétences. Merde. Donc, les compétences, c'est ça. Donc, ouais. Ah, donc, je peux prendre ça, par exemple. Alors. En combat rapproché, ça fait quoi? Maintenez R2 pour asséner un coup fendoir à la hache, infligeant d'importants dégâts. Ah, c'est intéressant ça. Merde, putain, faut pas que. Maintenez R1 pour une attaque à la hache touchant plusieurs fois les ennemis et les immobilisant. Intéressant. Un puissant coup final après un enchaînement d'attaques rapides. Appuyez sur R1 et R2 pour l'effectuer. Alors, fais voir. Fierté du givre. Ah oui, ça, non, je prends. Ça, je vais le prendre tout de suite. Ah, punaise, d'accord. En fait, les compétences, c'est pour avoir certains points de rune. Donc là, on a ça. Donc, rage spartiate. Oh, rage spartiate. Appuyez sur R2 pour sauter et percuter le sol avec une force extrême propulsant les ennemis devant vous. Ah, c'est encore plus puissant que ce que j'avais, quoi. Plusieurs R1 pour porter un coup violent, un coup de poing violent, un violent coup de poing à un ennemi, appuyer à nouveau sur un plusieurs fois pour effectuer un enchaînement de coups rapide. Oui, mais ça, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai déjà. Ah oui, bah oui, mais d'accord, c'est ce que j'ai déjà. Ok, là, appuyer 2 fois sur L1 pour briser la garde d'un ennemi. Ah, d'accord, oui, d'accord, parce qu'il y aura des ennemis qui vont avoir. Qui vont avoir justement des boucliers, c'est cool. Ok. Ensuite, ici. Alors, Atreus. Augmente la cadence de tir de l'arc serre. D'accord. Et là, après, on peut pas. On se cacher, d'accord. Et ça, c'est quoi? Tandem. Atreus aide Kratos lorsqu'un ennemi est dans un certain état de vulnérabilité ou lorsque son père est attaqué. Ah! Là, enfin, Atreus pourrait servir à quelque chose. Là, il fait quoi là? Expert en combat. Quand il étrangle un ennemi et que Kratos lance ou propulse cet ennemi au loin, Atreus peut exécuter un enchaînement. Ah, ah. Là, en fait, Atreus, là, il pourrait enfin servir à quelque chose, putain. Parce que là, j'ai beaucoup ragé par rapport à Atreus. Donc, pour moi, c'était hier, mais pour vous, c'était tout à l'heure. J'ai beaucoup ragé à cause de lui, là, à cause de ce connard là, qui n'attaque même pas les ennemis. Hein? Petit chenapan. Alors. Voilà, donc là c'était il y a à peu près 2-3 minutes, donc ok, donc faut que je me dise à 4h35 que voilà. Ok, il va falloir que je surveille un peu l'heure, mais pas de problème, je pense, avec ça, comme d'habitude, hein, on va dire. Donc les gars, hein, là c'est vraiment un test. Ouais, d'accord. Hein. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je vous fasse un épisode plus long, donc avec plus d'histoire et plus de,
et qu'on avance plus vite dans le jeu, ou est-ce que vous préférez justement un épisode plus court, donc à peu près pour moi à peu près une heure d'enregistrement, et vous un petit peu moins, et vous à peu près 30 minutes de vidéo environ. Comment ça serait eu ce... Ah d'accord, il vient comme ça. Ok. Oui, donc là c'est justement pour fermer, enfin pour rouvrir. Justement, je vais repasser par là. Ok. Eh ben, on va avancer tranquillement, les gars. Donc, ça c'est pour le péter. Ah non, d'accord. Wow, ça va être un putain de gros piège. Allez, vas-y. What the fuck? Pas très accueillant. Ça, je te le fais pas dire. Je sais ça. Ah, et ça marche. Ça marche. C'est cool ça. Allez, hop, donc on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, de l'acier doux, c'est exactement ce qu'il me fallait. On va attendez les gars. Donc là, je pense que je vais vous faire une petite coupure, et moi je vais faire un petit retour là. Parce que je peux aller faire quelques petites améliorations. Donc avec Brock. Donc on va faire ça tout de suite les gars, parce que ça, moi personnellement ça m'intéresse. Voilà. Ça je passe tranquillement. Brock, j'ai des améliorations à faire. Alors, armure d'Atreus, voilà c'est ça. Alors, augmente les dégâts au corps à corps infligés par Atreus. Faiblesse, les ennemis étranglés par Atreus subissent plus de dégâts. Faiblesse des volets. Hein? Permet à Atreus de trouver des paires de guérison quand Kratos est blessé. Ah ah! Ah! Ça, je pense que ça peut m'être utile, donc je vais le prendre. En espérant que je fasse pas un mauvais choix. Voilà, tenue correcte. C'est cool. Oui, je l'équipe évidemment. Hein. Voilà. Non, c'est tout bon. Voilà, maintenant je me casse. Voilà, c'est parfait. C'est la perfection. Alors là, attendez, je vais faire un test. Non, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on va faire des tests, hein, évidemment. Ah, oh putain, je sens que j'ai pas aimé. Allez, hop. Attends-moi ici. Ouais, alors attendez les gars. Je pense que je vais vraiment faire ça comme ça. Hop là, je lui fais mordre la poussière. Voilà, et là ça crève. Parce que là, si je... En fait, le piège là, les gars, c'est que si je prends mon épée, je suis dans la merde. Est-ce que je sais ça? Ouais. Là, maintenant, je peux prendre mon épée. Pas si compliqué. Voilà. Hop là. Alors les gars. Alors attendez. Ouais, non. C'est bon, ils y ont pensé au moins. Ouais, alors attendez, ça veut dire que il y a forcément quelque chose d'intéressant pas loin. Alors, de la vie, je vais pas dire non. Alors attendez. Donc ça va redescendre. Ouais, non, je vais me barrer parce que ça me fait un peu flipper en fait. Je l'admets totalement.
pas envie de crever comme ça. 1, 2, de l'argent. Ah mais attendez. Est-ce que je peux pas faire ça? Attendez. Hop. Tac, je fais ça comme ça. Vraiment gérer les deux en fait. Ah, il faut chier. Vas-y. Hop. Ah, là. Je l'ai vu. Voilà, et là, je vais pouvoir monter là-haut. Normalement. Normalement, je vais pouvoir monter. Enfin, j'espère. J'espère. Oui, parce que là, oui, là, il y a un symbole, donc justement, ça fait pour m'aider, je pense. Alors là, il faut attendre que tout ça redescende. Voilà. Et là, je peux sauter. Voilà. Je n'ai pas l'intention de nous laisser mourir. Bon, ça. J'en ai pas l'intention non plus. Tac. Donc ça c'est pour descendre je pense, donc non je vais pas descendre maintenant. Ah mais il y a un coffre encore ici. Qu'est-ce que... Alors attendez. Ah ça, si tu me dis que c'en est pas un, voilà. Tac. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir... Il en manque un là. Il en manque un. Mais il est où? Il est où le dernier? Atreus, pourquoi tu me pousses vers les pics, toi, vas-y. Connard? Alors, c'est quoi ça? Oh, un visage. Un petit masque, c'est cool. Attendez. Ah bah il est là. Voilà. Donc là ça s'ouvre. Et donc il était en fait, ouais, d'accord. Allez, bah attends. Voilà, je savais que c'était par là. C'est obligé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une pomme encore? Si c'est une pomme, je kiffe. Ah non, dommage. Une corne d'hydromel sanglant. Alors, pour augmenter votre rage. Ah, ça c'est intéressant. L'hydromel sanglant est une boisson rare qui intensifie la rage. Au total, 9 cornes sont cachées dans le monde. Dans des coffres scellés magiquement. Dès que vous en collectez 3, votre rage maximale augmente. Ça, c'était ce que j'avais vu. Bon, au niveau de ma vie, je suis bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il veut que je redescende? On va voir. Les gars, je vais redescendre parce que là, je sais pas, en fait. Peut-être quelque chose. Ouais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ah, bah, peut-être parce que, pour savoir... En fait, c'est peut-être pour ceux qui auraient... Aïe. Pour ceux qui auraient oublié ça, en fait. Bon, bah, j'ai un peu piqué, c'est pas grave, ça pique. Hop. Cours. Adieu Atreus, je t'aimais pas. Ah merde. Petite cinématique les gars.
J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens. Et voilà les amis, donc vraiment, c'est vraiment une histoire de... On voit hein, que Kratos aime son fils, hein, mais il veut pas lui montrer la moindre infection, j'ai l'impression. Pour vraiment l'endurcir. Hey, regarde ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Atreus. Regarde, il y a des ruines sur le côté. Attends, moi je visite. Désolé Atreus, mais moi je visite. Il y a le téléphone qui sonne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Bah vas-y hein. D'accord, en fait ça sera pour plus tard. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme. Y a peut-être un indice quelque part. Est-ce que ce serait pas ça justement? Bah j'ai l'impression aussi en fait. Encore un visage. C'est bon ça. Bon alors attendez. Peut-être que c'est là-haut. Non. Alors, comment je l'ai fait tourner, moi? C'est ça, en fait, la question. Parce que, oui, moi, je veux le faire tourner. Moi, j'avais compris tout dès le début, hein. Qu'il fallait que je le fasse tourner, mais ah, attendez. Comment est-ce que je le casse? Attendez. Ah, voilà. D'accord, j'ai compris. Ah ouais, mais c'est chaud. Non. Ça va avec. Ça fonctionne toujours pas. Non. Attendez que je réfléchisse. Merde. Je crois que cette partie est en place. Voilà, ça c'est bon. Là c'est good. Donc maintenant, falloir faire ça. Ah merde, c'était ça, je pense. Ouais, oui, c'était obligé. Non, c'était pas ça. Faut vraiment le faire dans ce sens. Voilà. Normalement c'est ça. Parfait. Atreus, que disent ces runes? Oh, ça dit famille. C'est pas un indice. C'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslow.
Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, putain? Bah, ça va ouvrir la porte, je pense. Enfin, moi, je vois ça plus comme une porte, donc ça devrait s'ouvrir. Bah voilà. Bah voilà, donc ça l'a ouvert. On peut donc avancer. C'est derrière nous maintenant. Oh, attends, Atreus, toi tu vas sur le bon chemin, d'accord? C'est quoi ça? Pourquoi une flèche vers le haut? Alors ça c'est quoi déjà? Encore masque? Oui, il y a quelque chose là-haut, oui, ça je l'avais remarqué, oui, mais je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ces runes? Ah, attendez. Peut-être qu'Atreus va peut-être pouvoir m'aider sur cette énigme. Non, je ne prendrai pas la vie là. Je pense que si ça me donne toute ma vie. C'est quoi ça? Ah, c'est une torche. C'est quoi ça? D'accord, il y avait un faisceau de lumière. Ah, d'accord, c'est de la fumée ou je sais pas quoi. C'est un petit effet. Ah, petite cinématique, les gars. Atreus, regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Donc, ok, donc là on va partir à la chasse au sanglier. Oh non. Je suis pas d'accord. Bon. Allez, c'est reparti les gars. Comme en 18, hein. C'est la guerre. Lui il a l'air de type feu. Oh là. Oh putain, ce coup de pute. Eh ben je viens de crever. Ah, hop, encore fatigué. C'est bon, c'est beaucoup plus simple là. Là il fait toujours la même attaque. Hop là. Allez, on finit. Normalement c'est fini. C'est fini pour lui. Ah, cette fois j'ai bien joué. J'ai bien géré ma vie et tout comme il fallait. Je pense aussi. C'est quoi ça? Enclume du Valdi, attaque runique puissante. Ah, attaque de zone dévastatrice qui gèle tous les ennemis présents dans le rayon d'explosion. Ah. Et en plus, on a une puissante. Donc je l'équipe, obligatoire, hein, évidemment. Et ça fait quoi? Alors, permet de débrouiller une attaque... maintenir L1 et R2. D'accord. Ouais, une minute de récupération, c'est logique. D'accord. Donc, attendez, on va tester. Oh, stylé. C'est très stylé. Très très stylé. Bon, maintenant, j'ai vu donc qu'il y avait un coffre ici là. Là. D'accord. Qu'est-ce qui est écrit? Linorne. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Voilà. Ah d'accord, il y a un temps. Bah voilà. D'accord, donc il y avait un temps limite. C'est pour ça que ça s'était détruit pas en fait. Qu'est-ce que c'est? Oui, une pomme, la troisième. Vous avez collecté 3 pommes sur 2. Alors 3 des 3 pommes d'Héloïne nécessaire à l'augmentation de votre santé maximale. Ah yes, vous avez gagné ces 3 pommes, votre santé maximale est accrue. Alléluia, j'en avais tellement besoin. C'est tellement la vie. Sans mauvais jeu de mots. C'est vrai que je l'ai même pas fait exprès ce jeu de mots là. La vie, c'est tellement la vie. Lol. Non, maintenant, comment est-ce que je fais pour monter là-haut?
Ah, est-ce que peut-être Atreus... Ah, attendez. Bah oui. Et là, Atreus peut monter et va me mettre cette chaîne. Atreus, la chaîne. C'est bien, t'es sage, mon fils. Qu'est-ce qu'on a par ici? Tu vas pas me dire qu'il y a rien. Oh, 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 c'est quoi ce truc? Atreus, par ici. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Connaissance ajoutée. Ouais. D'accord. C'est juste ça, c'est rien du tout quoi. Ça parle, il dit même pas ce que c'est, il fait ouais, ok. Ok, ok. Bon, c'est pas grave. Ah, encore un masque? Oh, c'est de l'argent. Bon, de la vie, j'en ai plus trop besoin, mais c'est pas grave. Atreus, j'attends ton animal devant. Je savais que c'était un sanglier. Ouais. Ça, un sanglier? Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Reste sous tes gardes. C'est encore ces hommes? Non, autre chose. Les yeux d'Odin. D'accord. Ça sent le piège, mais à plein nez. Bon, ils sont morts, ils ont plus besoin de fric, hein. Ils ont plus besoin un peu besoin de leur argent. Oh, masque. Moi, je me demande ce que c'est que cet endroit en fait. À quoi il sert? Parce que là, cet endroit, il... on est d'accord qu'il sert à rien en fait. Enfin, il sert à rien. Non, il sert pas. Ah! Ah, putain, c'est vrai qu'il y avait un coffre là-bas que j'ai pas pu ouvrir pendant le combat, putain. Bon, c'est juste un coffre d'argent pour me donner du fric, mais on va voir si je peux pas y retourner. Et là je peux l'ouvrir maintenant. Bon, allez, hop, on avance. Donc voilà, ouais, ça c'était un petit... là je sais même pas si je vous l'aurais coupé. Je pense pas. Ça a duré juste même pas une minute donc... Lui je crois qu'il faut le taper que... Voilà. Dégage. Ça dégage. Voilà. Il disait bien qu'il y avait un piège. C'est pas possible qu'il y ait pas d'ennemis là. Bon, même un, tu vois, je trouve ça trop facile. Là, il est passé en dessous. Ah oui, il est là. Fais tomber le couteau.
Atreus. Atreus, où es-tu? Atreus. Atreus. D'accord. Du coup, ce qui est pas... J'ai entendu ce qui est parti. Hein. Celle-là, ça se joue vraiment au son, les gars. Non. Atreus. Cinématique, les gars. On savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? M'entraîner à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit maintenant. Tenez-le. Attention, ne lâchez pas. Bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Grèce. C'est qui cette meuf? Par ici. Sanctuaire des bois. Il a dit qu'il irait plus tard. Je ne t'ai jamais vu dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle... Elle est morte. On emmène ses cendres le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas peur. C'est quoi ça? C'est une tortue? Oh putain! Il est gentil? Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. Il est inoffensif. C'est vrai qu'il est magnifique quand même. Il est magnifiquement bien fait. Vraiment, je kiffe. C'est un kiff au total. Vite. Le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus,
crois, c'est vrai. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied ? Quoi d'autre ? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai ? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas ! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. Ça annonce quelque chose de mauvais, ça. Très mauvais. Bah, juste là, en fait. Ah non, c'est du... Ah non, c'est du poisson. Et merde. Putain, les cons. Alors, de la cardamine. Ah bah, voilà. Déjà perdu. Tu ferais plus attention, c'est promis. Pour moi, c'est pas une sorcière, c'est une femme déesse. Enfin, c'est la femme d'un dieu, donc une déesse. Je pense. C'est exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir ? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille ? Cette marque te dissimulera aux yeux de... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Louina. Raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra ? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Ce passage souterrain vous remettra sur le chemin de la montagne. Prenez le bateau. Attends. Prends ça.
faire temps pour t'orienter et trouver ton chemin. Elle pointera toujours vers ton objectif.